got on the boat and I didn't talk to them. I kind of sat there in the corner and they were looking at me thinking, well, this dude must obviously be involved. And then suddenly I come over saying, you have 2 minutes to get your butt off the boat, and I mean now. You are witnessing 16 Americans begin an adventure that will forever change their lives. They've been given 2 minutes to salvage whatever they can off this boat. Their destination, this island right here, a beautiful but dangerous jungle in the middle of the South China Sea. In the next 39 days, they'll be marooned, left to fend for themselves, no creature comforts. They are wiping the slate clean. 16 strangers forced to band together, carve out a new existence, totally accountable for their actions. They must learn to adapt or they're voted off. Célibataire coupé du monde, filmé dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Dans 10 semaines, ils ne seront plus que deux. Qui sera le couple idéal? En 4 semaines, le central téléphonique reçoit plus de 38 000 demandes de candidature. Des milliers de dossiers à traiter, tous lus et analysés par une équipe de 7 psychologues. C'est malgré tout une surprise. C'est une surprise. Je pense que dans d'autres pays, là où on l'a présenté aussi, il y a eu une surprise. C'est une surprise parce que nous pensions que les téléspectateurs en France étaient peut-être plus distants par rapport à ce genre de phénomène. Et qu'il y a ici une tradition du service public relativement exigeant, et que les émissions de ce genre intéresseraient, mais ne provoqueraient pas cette espèce de maelstrom gigantesque. Le phénomène a atteint de telles proportions qu'il a occulté le Festival de Cannes ici. Presque personne n'a parlé du Festival de Cannes. Tout le pays ne parlait que de cette émission. 30 km de câbles, soit 100 fois la hauteur de la Tour Eiffel. Au cœur de cette installation, la régie. C'est grâce à elle et aux 100 techniciens présents nuit et jour que vous suivrez au quotidien la vie des 11 candidats. Courant avril, j'apprends qu'il y a Love Story qui arrive en France. Et là, je me dis, c'est normal que je vais réagir. Je crée un site internet, boycottyes.com, et... je lance un boycott contre cette émission. Le premier site qui a fait de la parodie, c'est Poulaya Story. 5 poules, 6 coques, 118 caméras, des millions de blaireaux. Le site que j'ai créé, ils disent le but du jeu, c'est de faire le couple idéal. Donc là, je me pose aussi la question, le couple idéal, est-ce que on peut être un couple idéal quand on est enfermé pendant 10 semaines ? Je finirai, j'ai enlevé mon t-shirt, comme ça, devant l'élève, comme ça, je jetterai mon t-shirt, je continuerai comme ça, là. Comme je travaille depuis pas mal d'années comme psychiatre à la télévision sur une série d'émissions, on m'a proposé, la production de cette émission Love Story m'a proposé de travailler pour eux et de faire le travail de recrutement des candidats, de surveillance de l'émission, de commentaires sur le plateau de ce qui se passait à l'intérieur du loft. De toute évidence, il y a un choix de casting qui a été fait incontestablement. C'est un choix d'âge déjà, bien évidemment. Ils ont entre 20 et 30 ans. Un choix physique, c'est-à-dire qu'ils sont tous très très agréables à regarder, ce qui est pas là par hasard. C'est-à-dire qu'il y a aussi, au fond, dans la règle du jeu, il y a l'idée de former un couple. Il y a donc l'idée quand même d'une excitation sexuelle qui est là dès le départ. La façon dont les candidats sont présentés, avec une très forte charge érotique, dans des scènes de striptease, dans des scènes comme ça de danse un petit peu lascive, il y a quand même
une danseuse dont on sait que c'est une danseuse, une gogo dancer, une autre dont on a appris qu'elle avait été stripteaseuse. Si tu es filmé 24 heures sur 24, quel est le moment ou la situation qui te gênera le plus? Les toilettes. Mais bon, on a dit que c'était bon. Aucune. Si on te filme 24 heures sur 24, quel est le moment ou la situation qui te gênera le plus? Aucune. Le deuxième choix, c'est vraisemblablement, je pense, une certaine, comment dire, une certaine docilité de ces personnes. On ne va pas prendre des gens qui ont trop de personnalité et trop de caractère, parce qu'on leur demande quand même en permanence de faire des choses. Comment ils doivent agir, comment ils doivent penser, de se tirer dessus avec des pistolets à eau, de se mettre à danser, de se mettre des perruques. Donc il faut quand même qu'ils soient un peu comme des bons petits soldats. Une fois dans la maison, vis-à-vis des autres candidats, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour gagner le jeu? Je suis prêt à faire le con. La télévision, elle peut faire faire n'importe quoi à n'importe qui. Ceux qui travaillent dans la télévision le savent bien. On peut demander n'importe quoi à n'importe qui, on va l'obtenir. En insistant un peu, en cherchant, on va trouver quelqu'un qui va faire ce qu'on veut. Parce que c'est la télévision. Ils marchent aussi flèches, c'est comme des chiens, c'est comme des animaux savants dressés dans un cirque. On les siffle, ils vont là, on les siffle, ils vont là, on leur dit arrête de parler de ça, on leur dit viens là. Enfin, et puis la caméra tourne tout le temps. D'accord, ok. Ah ouais, d'accord. Ok, parfait. C'est pas mal. On va commencer simple, c'est une petite musique tranquille. Je te regarde bien dans les yeux. Je retire mon t-shirt. Il faudrait le faire en version un peu plus comment dire, sensuelle, mais là, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Si on se retrouve dans un huis clos, qui fait qu'on n'a aucune nouvelle de l'extérieur, qu'on est enfermé, qu'on ne peut pas sortir, qu'on est limité au niveau des activités, comment le groupe entier va-t-il réussir à évoluer, quoi? C'est ça qui m'intéresse. J'espère qu'il y aura de beaux garçons, car je suis célibataire. Qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, que je suis disponible. On s'est dit, là, avec ce type d'émission, c'est une nouvelle étape qui est franchie. Hein, dans la commercialisation de la communication audiovisuelle. Et cette nouvelle étape, elle correspond en fait à la transformation en marchandise des gens. It's I Bet You Will, the show that proves people will do anything for money. We basically hit the streets armed with a handful of cash and bet people to do the most ridiculous things right on the spot. Really just disgusting things, and then other things you're like, I can't believe somebody's doing that, you know. But the great thing is that it's bets that you know, things that you're like, wow, would I do that for $500? And especially when the cash is whipped out right on the spot, you know, you'd be surprised how many people who are like, no, okay, you know. If you're like, no, I won't do that. How much? Okay, I'll do it right now. Max, you want to do a bet? Sure, Morgan. What's your name? Adrian, come here. Adrian, where are you from? Boston. So we hear people in Boston like to do body shots. Yeah, it's been known to happen. It's been known to happen. Yeah. You've heard about that. Here's what we're going to do. Max is going to take off one of his shoes and his sock. We're going to put salt between his toes. And he's going to take off his shirt. And we're going to put some New England clam chowder in his armpit. And what you're going to do is you're going to lick the salt and then lick the clam chowder out of the armpits. And then we're going to switch and you guys are going to do the same thing to the other person. And I will give each of you $100 cash. You have hairy armpits though, right? Oh, you haven't seen the half of it yet. Oh, God. $200. $150. $200, I'm with her. All right, deal. $200 cash for each of you right now. And there it is. Do I have to swallow? You have to swallow. Think of that. That's nice, isn't it? Oh, that's just wonderful. Mm. That was putrid. Adrian, are you ready? So first, take your shoe off. Okay. We got to get it nice and wet. Hold on. Okay, there we go. And now the pit. Put your arm down. There you go. All right. Max, are you ready? I'm ready. All right. So first, lick the salt. Yes! All right, now into the pit shot. Get in there, quick! That wasn't a good lick. Give me a lick from there to there. A nice big $200 lick. There it is! All right, take off your shoe, Max. And a nice big lick in between the toes. But not yet. You are an attractive man, Max. Bring it on!
And now close your armpit, take it down. Hold it, hold it, close it, close it. There you go. Adrian, are you ready? I just feel like I've been very intimate with him. Yeah. Here she goes. A drum roll, please. Yeah! All right. Now into the armpit. You ready for this? Yeah! I bet you will.com. It's the salt of the earth. One of the first things we wanted to do was a game show, because this was when reality game shows really started to become popular, or they were popular overseas already, but had yet to come to the United States. And we wanted to do a reality-based game show. Right now, you know, I Bet You Will has blown up on the web. You know, it's huge. We've had 34 million hits from over 100 countries around the globe. Some of my favorite ones that we have is there was an old man who was in Times Square. His name was Herb Gelman, and he was on vacation with his wife. This guy was like 65 years old. You know, the person you would never think would do a bet. You want to win some free money, sir? Sure. Where are you from? Tacoma, Washington. Tacoma, Washington. Hey, get your wife over here. What's your name? My name's Herb Gelman. Okay, well, here, Money Mark, open the briefcase, sir. Well, here's what we want to do is we want to make the world-famous I Bet You Will brand crotch cookies. We're going to fill your pants with I Bet You Will brand corn syrup, clover honey, blueberries, and sugar, and mix them up in your pants and have you take a little bite of them. And I will give you $200 cash to make I Bet You Will brand crotch cookies. To you, it's your crotch. I don't it's think your so. Crotch. How about $300 cash? No. How about $500 cash? Yeah, I'll go for $500. All right, he's gonna do it for $500. I'm doing. You're kidding me. You're not that dumb, are you? $500. Like yeah. I think you're crazy, Herb. I'm not gonna be pretend I'm not related to him. Your name, ma'am? Barbara. Are you ready? I'm ready. Herb's unfastened his pants. There's the corn syrup. Am I getting on to burn a cooker now? Not yet. Why are you doing this? I think this is fun to be in New York City and have this kind of fun. Where else would this happen but in New York? So we're gonna need you to suck your gut in a little bit more so we can get all the sugar in there. You're all gonna have pancakes with me. Okay, now jump up and down a little bit. Now we're gonna need a little honey in there. Now I gotta get back to the hotel. This is I Bet You Will brand clover honey. Suck it in good. There you go. That feels great. Suck it in good. I'm a honeybee. I Bet You Will brand blueberries. Now, I'm going to need you to reach in there and mix them all up a little bit. Anybody want some pie? How does that feel? Feels great. Feels great. Pull out a little handful. Now, I'll take a little bite. There. Very nice. But now I want you to do it again, but don't eat them. There we go. I will give someone $100 cash to eat those blueberries. If you go a little higher, I'll give his wife $100 right now. $275. All right, $300. Come up here. What's your name? Abe. Abe? All right, Abe. I want you have to eat everything that's in his hand right there. That was in Herb's crotch. Huh? Yeah! How's that taste? Disgusting! IBetYouWill.com. They never taught us this in home ec. IBetYouWill.com. I loved Herb's dingleberries. Οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα για τα χρήματα. Αρκεί όμως αυτό για να εξηγήσει το φαινόμενο. Γιατί παρότι ένας κερδίζει, χιλιάδες υποβάλλουν αιτήσεις, και πέρα από τους παίκτες, γιατί οι τηλεθεατές και μάλιστα νέοι παρακολουθούν ένα πρόγραμμα που πολλοί θεωρούν βαρετό, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ορισμένες απαντήσεις. Και δεν θα πιστεύετε στα μάτια σας με ό,τι θα δείτε στη συνέχεια. Μετά από ένα μικρό διάλειμμα. Diet is a game for people who are too fat, who are too big, who want to lose weight in 100 days. And in big diet, it's like Big Brother and other kind of reality shows. In big diet, they can win the lost weight. The last kilos in
in gold. We look in 100 days with 35 cameras, 24 hours a day, on the people who are in the house, the candidates. We follow them, and we have a program from 8 in the morning till 11 in the evening for the people with eating, with sporting, doing things outside, activities. Welcome in the big Diet Castle in Holland. I can show you some rooms in the castle, and we are starting in the living room. This is the living room where we at night relax and smoke a little, drink a little, have a cup of coffee. And that's one of the guests, that's Gerrit, before Big Diet. And now we can look at Gerrit live. Hello. It's Greece Television. Greece? Yeah. Ta-dam. Ga eens even staan. Ga eens even staan. Yeah. Is it right? Got no stomach anymore, eh? He lost about 30 kilos of weight. We are here in the aerobics dance room. Every morning at 9:15, we're starting here with Big Diet Fitness. We're taping it so the people can see it the next day on the television. Sometimes we have kick fun. It's with a kind of puppet. And then you can bitch. It's good for the aggression, eh? We're here now in the swimming pool. Sometimes we swim here, aquarobics, it's really good. This is stepping, walking. You can walk like you're walking on a hill and walk really fast. This is my favorite. The first time, the first week I was going on this for 5 minutes, I thought after 1 minute, oh no, 4 more minutes. And now I'm doing this for an hour. So, it's really this. The 16 contestants have been separated into two tribes named after the beaches where they will live. Under the rules, one tribe must visit tribal council every 3 days with a single purpose: vote one of their own members off the island. To win, you must survive the island, survive the vote, and ultimately survive each other. Competition, I really feel responsible. I could not make my feet hit the ground. I was swimming to start with, and then Rudy said, no, walk. I tried to do that, but I was too buoyant. My sandals were too heavy. The socks were weighting them down. I removed the weakest link in the crew. Picking her because I think she's the reason we lost yesterday. My vote really kills me because I love her, but I want to give the best opportunity for my team to survive. First person voted off the island. Sonia. The tribe has spoken. Thanks, Sonia. I think the reason Survivor did so well with the American viewing public was there's not many unique and new and different things on television. I'm gonna say 3, 2, 1, eat. You grab on each.
Get your hands down in your waist. Here we go, guys. 3, 2, 1, eat. Denk je niet? Oké. 1, 2, 3. They put every day or on the few days, they put something else in it. So, and sometimes at night, there's coming a pizza sprint or something. Oh, hij gaat vis in beton maken met mayonaise. Nee! Zeg dat het niet waar in een badzak. Oh, kijk, dit zit op me. Ja, maar ja, je moet zelf weten. En daar heb ik gewoon zin in. Sniper. Je mos een stukje. Hey, kom eens hier met je mond. Je mos een stukje. Ik ben het minste afgevallen, ik moet. Nee, hè? Ja. Echt waar? Ja. Oh. It's hard to say goodbye. We know how hard you try. Goedemorgen, Michel. Voelt wel een beetje vreemd, hoor. Rare. Dat is mijn tweede broer, joh. Ronde dag van mijn leven natuurlijk, hè? I've lost now almost 22 kilos and I'm feeling so good. I sport and I know everything about the food. So yeah, it's beautiful. We went shopping. We buy some lingerie and I have a small one now. So, before I never went to a normal shop to buy lingerie, and now I can walk into any shop and I can buy anything I want. That's a great feeling. I don't think it's realistic for the people who watch it, because nobody has in his house so many cameras. Nobody has the whole day off to exercise. When you have that much overweight, you have to lose weight slowly, because your body has to get used to it. When you lose it so fast as those people, it will come on after a half year, and not just the kilos you lose, but more, because your body isn't used to that. Women have much more fat in their body than a man, and also when you see it's a contest, it's not fair. Because a man will lose weight faster than a woman, especially when you work out so much. I think especially when people are looking with so much overweight, they shouldn't do so much exercise and it shouldn't take so few calories. I can go to the swimming pool with my daughter and I can walk on the beach with no hard feelings, with no strange feelings from, oh, I'm so fat. Now I'm Tarzan. I'm Tarzan back again. When you're in a house with so many cameras, of course you won't take the chocolate or you don't take the wine. But when you're out of the house and the cameras are not all around you, well, I know what I will do. I will go to the first bakery and buy everything I needed. The cameras, it's for me a really a good stimulation, because the people, my family and my friends at home can see me. So they can see if I'm not taking a candy bar or eating more or not really doing my best with the sports. So it's for me a good stimulation. Um gajo chega a casa e é o calor. É o calor e um gajo tem que estar a fazer. Um dos grupinhos que assumidamente se impôs, quer pela sua alegria, quer pela sua amizade,
foi o grupo dos três mosqueteiros. Eles já têm provado que a sua capacidade para a invenção, a criação de momentos, os tem levado a posições extremas. Le Portugal, c'est le paradis de Big Brother. C'est le pays où Big Brother a eu les audiences les plus phénoménales. Ils sont arrivés à avoir, il y avait à certains moments, 90% des Portugais devant leur télévision regardaient Big Brother. Il y avait dans la tradition de la télévision portugaise déjà une grande... les novellas, les fameuses telenovelas. Il y a un goût qui vient du Brésil pour les telenovelas, c'est au Portugal. Ils sont déjà habitués à ils ont appelé ça les novelas de la vida real, les soaps de vraie vie finalement. Et donc peut-être que pour eux c'était le stade. Il y avait déjà cette habitude du feuilleton avec des drames proches des gens. Les telenovelas aujourd'hui sont très réalistes. Et donc peut-être que là c'était le stade ultime avec des vrais gens. Et donc il y a eu un attachement incroyable. Et surtout parce qu'aussi, il n'y a pas eu de limite. A minha filha sofre para a beber. Espera aí, já estamos a perder um bocado. Espera aí, veste. Acha que sim, veste. Agora ainda me vem buscar aquelas bebidas todas estranhosas. Não, já achava que sentiste-te um curtista. Não vá, não tivemos bem. Tivemos, percebes? Só que aqui em casa é diferente. Aqui em casa, quando temos os dois sozinhos, também estamos bem. Porque assim como tu tens medo de ser magoado, eu também tenho. Eu também sinto sentimentos e não sou de ferro. Eu começo a perder paciência. É? Não tens paciência? Contigo não. É uma coisa que sinto que ir. É? Tens que me passar a tua paciência. Já te estou a transmitir. Desta vez, entre a Carla e o João, um dos casais da casa, à média luz, o João falou com a Carla e conseguiu finalmente o que há tanto tempo já procurava. Il y a une réclaire des producteurs et des organisateurs de cette émission de la scénariser, c'est-à-dire d'enfermer chaque personnage dans une case où il va être très facilement identifiable. Ça va être la pute au grand cœur, la bourgeoise méchante, le gentil sportif, enfin bon. Et de ne trier dans le montage que les éléments qui vont aller dans ce sens et de créer à partir d'une situation réelle une situation de fiction. C'est la vie d'une vidéo. Il s'avère que ce soir j'étais dans la piscine avec cette jeune fille un peu trop extravagante à mon goût. Et que, voilà quoi, on s'est compris. Mais que c'est vrai que pour moi, elle est quand même toujours trop extravagante. Mais je pense que ça nous arrive à tous de temps en temps de prendre un peu de plaisir, non? Les séances de confession, ça va un peu dans le sens global, enfin dans la direction globale de cette émission, c'est-à-dire ça scénarise... Ça visualise le fait que la vie intérieure n'existe plus, que tout ce qui est à l'intérieur doit être livré
à l'extérieur. Oh là là, putain, vite, faut chercher le parfum. Ouais, oh ouais. Putain, je suis fou ridicule. Oh là là, vite. Oh doudou. J'y ai pensé en plus. Non. Bah, oui. Tes conneries, mais c'est pas bien, toi. Ça y est, t'as fini. Quoi, tu peux plus, mais tes conneries. T'as fini bien le truc. Ça fait qu'une semaine. Bah, non, mais. Mais c'est joli, elle est belle, hein. Regarde comme ça fait. Vous savez comment ils sont bien traités, hein. Bon, bonsoir. Tu peux fermer la porte de la des gens qui pleurent, qui ont des dépressions nerveuses, qui font l'amour entre eux. Enfin, on sait bien que quand on fait ça, les gens regardent la télévision. On fait beaucoup d'audience. Et on fait de ces gens de la chair à audimat, comme on dit, de la chair à audience, comme il y avait de la chair à canon avec les soldats. Non, bouge pas. Deux Big Brother, à l'origine, le symbole, c'est dans le logo, il y a un petit trou dans le haut, je crois, de Brother. Ils ne se sont pas cachés. Ils auraient pu dire, on ne s'appelle pas Big Brother, on ne fait rien de voyeur. Or si, ils ont dit, on est voyeur et on va vous aider à être voyeur. L'attrait des téléspectateurs, c'est pour les images derrière, les images qui sont soi-disant volées. Donc il y a un marché de l'image volée, qui est plus ou moins volée, mais l'image volée, c'est ce qui excite le plus les gens. Celle qui va quitter le loft ce soir est... Julie. Oh putain, c'est pas bon. C'est le destin, c'est la vie. Et je prends la vie comme elle est et je t'aime. Ils m'ont demandé mon adresse et ils m'ont envoyé un dossier de candidature. Et sur le dossier, c'était écrit qu'il fallait être disponible pendant une période de 70 jours. Et c'est là que j'ai compris que ça allait être un petit peu un concept Big Brother. Et je me suis dit, c'est génial. J'ai vécu des moments, mais je comparerais ça presque, je n'ai pas encore accouché ni rien, je n'ai pas eu de naissance, mais je comparerais ça vraiment à une naissance, à une forte émotion. C'était tellement bon ce qu'on vivait tous ensemble, c'était... Moi je suis tellement contente d'avoir vécu cette expérience, c'est unique et je ne regretterai jamais. Le love c'est comme une drogue, disons que c'est vraiment un cocon. On est bien, moi je dirais même, j'irais même jusqu'à dire que la prison c'est l'extérieur, c'est pas l'intérieur. On peut s'interroger de fait sur... ce que ça signifie psychologiquement pour ces jeunes qui sont à l'intérieur du loft, de mettre justement toute leur vie intérieure, toute leur vie intime sur la table. C'est-à-dire de mettre l'intérieur d'eux-mêmes à l'extérieur. Moi, je pense que c'est susceptible d'entraîner des conséquences psychologiques assez importantes. Parce que ça devient, ça aussi, on parlait de l'excitation du public, mais ça devient l'excitation des gens qui y participent. J'ai effectivement été sensible à ce moment de presque de panique d'une candidate qui se dit si les caméras bougent plus, c'est qu'on me regarde plus, donc j'existe plus. Par rapport aux caméras, je sais pas, je suis étonnée que des. Ouais, c'est vrai que ça doit être un manque parce qu'on a. C'était tellement quelque chose de fort, justement d'être tout le temps regardé par des caméras et c'est vrai que ça peut manquer. Ça va, mon chéri, bien. Je le coup. Ah, c'est bien comme ça. Bien comme ça. Ah ouais. Mais c'est notre chouchou, Philippe. C'est vrai, avec les hommes, ça marche mieux. Ouais. Moi aussi. Toi aussi, ça marche mieux. Ah ouais.
Et toi, Julie ? Mais je m'en fous, moi. Si, c'est vrai. Tu le suis tous les jours et tout ? Et la télé grecque, elle a un chèque pour moi pour l'interview ou pas ? Attention, je suis là pour faire du business, ma mère. Alors, le conseil que j'ai à donner aux lofters grecs, c'est que... Restez vous-même. Bon, ça, c'est toi qui le donne. Comment on dit restez vous-même ? C'est en... parlez-en bien autour de vous. On va essayer de parler grec, quand même. Si vous pouvez, si vous pouvez le faire. Et puis après, vous faites du business. Vous faites du pognon, ouais. Alors, je tiens à préciser quelque chose. Notre cher et tendre Philippe, c'est le rigolo de la bande. C'est-à-dire qu'il a un humour décalé. Il aime bien. Il est connu en France pour son humour, sa tchatche. Et il plaît vraiment beaucoup. Hein. Ça, c'est le chouchou des Français. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire le loft. J'ai trouvé que l'ambiance générale du loft, c'était une ambiance bon enfant. On était tous envie de bien s'entendre, de bien se connaître, etc. Et on s'appréciait tous mutuellement. Et j'ai lu des critiques qui sont ça, c'est excessif et c'est plein d'a priori. J'ai lu que c'était l'ambiance mortifère, que les gens ne s'entendaient pas, que c'était claustrophobie, etc. Mais non, moi personnellement, j'avais beaucoup de plaisir. This was certainly unique, different and new. Additionally, it was simple storytelling with compelling characters in a setting we could all understand. A remote tropical island, a bunch of Americans making a world and then destroying their world by voting each other out one by one. It's fascinating. Cette émission, en réalité, elle se sert de méthodes utilisées par les sectes pour mettre les gens sous dépendance psychologique, pour les manipuler, pour les asservir. Elle abuse de leur situation de faiblesse. Elle les met dans des dispositifs où tout est fait pour qu'ils craquent, pour qu'ils s'éliminent les uns les autres, pour qu'ils se battent, comme si c'était des cobayes, finalement, les animaux donc, en laboratoire qu'on utilise pour voir comment ils vont réagir et qu'ils finissent par se manger les uns les autres. Tonight, you will vote for someone. You will vote for who you think is most worthy, the winner. The person who played this game the best, however you want to define it, you are casting a vote for who's going to leave here with the money and the title of survivor. Sue. I plead to the jury tonight to think a little bit about the island that we have been on. This island is pretty much full of only two things, snakes and rats. And in the end of Mother Nature, we have Richard the snake, who knowingly went after prey, and Kelly, who turned into the rat that ran around like the rats do on this island, trying to run from the snake. I feel we owe it to the island's spirits that we have learned to come to know, to let it be in the end the way Mother Nature intended it to be, for the snake to eat the rat. The winner of the first survivor competition is Rich. Congratulations, Rich. I'm not exactly certain what I'm going to be doing with $1 million. I hope to make the lives of my family and friends and those I care about happier. I hope to remain who I am. I'm pretty certain I'll be able to do that. It's a wonderful feeling, and I'm really looking forward to getting home. When I get home, then I can really think about what I'm going to use the money for and plan and act on that. I've won a car. That's just super. Just a nice thing to have had happen. $1 million is a heck of an opportunity that I hope I don't waste.
Samedi dernier, Kenza s'apprête à vivre un moment inoubliable. Accueillie par Max Guazzini, le vice-président d'énergie et le président du Stade français, elle va donner le coup d'envoi du match de rugby qui oppose Paris à Biarritz. Ils vont t'amener les mots au milieu, tu vois ce que je veux dire. Tu dis bonjour à l'arbitre. Ouais. Tu donnes un coup de pied de ballon, mais vers ici. L'ambiance dans le stade, c'est à part, quoi. C'est pas comme être à la télé ou... C'est génial. Et puis attends, la foule, c'est génial. Voilà, on voit rien, là, tu vois. Pour le plus grand plaisir des photographes présents, sa maman l'accompagne et est là pour la soutenir. Ça va ? Ça va, vous n'avez pas trop de fac ? Kenza, on t'aime ! Putain, j'hallucine ! Des fois, on aimerait revenir à l'anonymat. Parce qu'on aimerait des fois faire des courses normalement ou sortir dans la rue sans qu'on soit reconnu. C'est dur des fois, je sais pas si toi tu ressens. Moi c'est pour faire mes courses quoi, ça m'énerve. Ouais voilà, pour faire les courses. Tu commences à aller faire tes courses et puis tu as 20 gamins ou 20 adultes qui te suivent derrière. Ouais. Tu peux pas faire tes courses, c'est impossible. C'est pas facile. Tu peux pas sortir toute seule. Pour l'instant c'est trop tôt. Je peux pas prendre le métro. Pour l'instant je fais que du taxi parce que le métro c'est impossible. Parce qu'à partir du moment où on est statique, où on ne bouge pas, les gens tout le temps ils viennent te demander des autographes. Donc c'est sympathique hein, dans la rue, 1, 2, 3 autographes. Mais quand c'est tout le monde qui vient t'embêter, au bout d'un moment, c'est un peu ennuyant. Quoi. Ouais. Donc on a chacun des rendez-vous différents. Complètement différents. Voilà. Elle, c'est la musique, moi, voilà. C'est plutôt la télé. Voilà. C'est autre chose. Kenza, alors vous, vous avez choisi apparemment le terrain de l'interview. Vous avez également fait vos premiers pas en tant qu'animatrice radio. Donc à partir du moment où je rencontre des gens différents avec qui je peux discuter, ça me fait toujours autant plaisir. Mais c'est vrai que le métier de journalisme, il y a aussi l'écrit. Qui vient avec. Donc on travaille beaucoup on travaille beaucoup sa tête. Là, leur seul talent de ces jeunes de Love Story, c'est d'avoir accepté de se coucher pour réussir. Donc d'avoir accepté de tout accepter pour avoir une chance de réussir. Le premier article est sorti aujourd'hui et j'en suis vraiment très fière. Forcément, donc les jeunes s'identifient à nous et ils se disent que ça pourrait très bien être eux qui soient dans le loft et qui pourraient être célèbres. Ce qui est le plus dur, c'est l'anonymat après. Je pense qu'on s'y prépare tous, on a tous la tête sur les épaules, on est plutôt serein. On est conscient que ça ne va pas durer. Quoi. Bien sûr. Et justement, c'est pour ça que chacun de notre côté, on essaie de gérer un petit peu nous personnellement, voilà. En fonction de nos compétences et nos capacités, à faire quelque chose qui nous intéresse. Bonsoir, bonsoir Julie. Bonsoir. Je crois que tout le monde a remarqué que tu avais une très jolie voix. Que tu avais une passion pour le chant. Oui, c'est vrai. Alors on s'était dit que si tu le souhaitais, on aurait pu mettre à ta disposition des moyens, des équipes, d'auteurs, compositeurs, réalisateurs, pour enregistrer et lancer ton premier disque. Voilà l'idée qu'on avait. Pas mal. Stevie va danser avec vous. Ah bah si. Allez. Venez là, profitez. On l'applaudit, on peut l'encourager quand même. Tiens, reprenez ma petite marque, là, voilà. Les désigner aux gosses, à nos gosses, nos enfants, mes enfants regardent, les désigner comme les stars, les héros de l'époque, ça aussi c'est dégueulasse. Il y a quelques années, quand on demandait à des jeunes quel était leur idéal dans l'existence, alors les réponses étaient être amoureux, c'était faire un métier qui me passionne, c'était plutôt des réponses comme ça. Les derniers sondages qui ont été faits, la première réponse qui vient, c'est passer à la télévision et être célèbre. C'est-à-dire que il y a dans ce mirage du fait d'être connu, d'être une star, quelque chose qui est complètement vidé de sa substance. On est une star parce qu'on est une star. La tirarem la mano, la mi dirai di sì. La 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 la. C'était l'émotion, c'est très bien. Merci beaucoup, Julie. Super. Je vais prendre ma voiture par contre. Non, comme ça. Demande à Julie, ça va être une galère, on va pas y aller à deux voitures. Ouais, mais elle va le garer ma voiture. Putain, mais faut pas faire avance. L'émission, tout ça, c'est pas drôle, mais de les voir au quotidien, je les trouve assez marrants. C'est vrai que là, je leur ai parlé comme si c'était mes potes en fait. Hein. J'ai pas fait gaffe du tout, j'ai
leur ai dit salut comme si j'avais rencontré un copain à moi. Et ce qui fait bizarre, c'est de les croiser parce qu'on a l'impression que c'est clairement des gens comme nous. Et en fait, on les connaît. C'est-à-dire qu'on les rencontre, on leur dit bonjour, on les tutoie. Et il y a une certaine excitation, même si on se dit qu'on pourrait très bien être à leur place et que c'est pas du tout des vedettes. Mais c'est un côté un peu magique, la magie de la télé, en fait. Il y a une phrase qui dit « on a les stars qu'on mérite hein. ». Voilà, si c'est ça les stars françaises, c'est pas la joie, quand même. Ce phénomène de Loft et de tous les reality shows, soit un miroir de la société, c'est-à-dire que de plus en plus, la société se focalise sur les individus, sur leur psychisme et sur leur malheur intime. Les gens sont de plus en plus atomisés et livrés à leur propre rumination psychique. Et c'est ça qui est mis en valeur et c'est ça que de plus en plus les gens sont friands de retrouver à la télévision. Bah, c'est de voir comment effectivement leurs relations changent. Je crois qu'il y en avait qui se détestaient et puis finalement ils ont commencé à s'aimer. Il y en a qui... De voir les hypocrisies des nénettes, les hypocrisies des garçons, tout pareil, de voir qu'ils n'ont rien à foutre de la journée. Je sais qu'on est manipulés et tout ça, qu'ils font des cuts, qu'ils font des montages, qu'ils nous font comprendre ce qu'ils veulent, et que, à mon avis, ils nous font percevoir le phénomène Philippe parce qu'ils n'ont pas montré quand il est chiant et qu'il était bougonnant et tout ça, mais je pense qu'ils ont tous été plus ou moins naturels quand même, quoi. C'est comme une série télé, quoi. Quand on regardait Dallas quand j'étais petite, j'attendais de savoir ce qu'allait se passer, c'est la même chose, quoi. On leur donne des espèces de petits trucs, des petits challenges débiles à faire parce qu'il faut bien qu'ils fassent quelque chose. Mais au final, ça fait assez peur de se dire qu'on regarde du rien, enfin on regarde de l'ennui. C'est-à-dire qu'on regarde des gens s'ennuyer. J'ai l'impression que les gens s'ennuient tellement dans leur vie qu'ils ont besoin de se rassurer en se disant je suis pas la seule et il y en a qui s'ennuient. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils sont payés pour s'ennuyer, donc c'est plutôt pas mal. Ça représente une jeunesse qui s'emmerde. Parce qu'en fait, dans le Loft, on s'aperçoit vite fait qu'ils s'ennuient, ces gens-là. Et en fait, on est dans une société où notamment les jeunes s'ennuient. On voit dans les cités, mais pas uniquement dans les cités. Hein. Dans les cités, effectivement, il n'y a plus de centres culturels, d'animation. Donc, on sent qu'en fait, que Loft Story... Alors effectivement, M6... montre que c'est la jeunesse, mais c'est la jeunesse qui s'ennuie. Il n'y a pas de réflexion, exactement. C'est facile, on se met passivement devant et il n'y a pas... c'est pas comme de prendre un livre, etc. Donc, peut-être que c'est une rassurance aussi de leur dire que finalement tout le monde est comme tout le monde et chacun vit une vie très simple et tout le monde vit la même vie. Et peut-être qu'il y a un côté rassurant dans le sens où... finalement, chacun a la même vie avec les mêmes problèmes, les mêmes questions. On parle de la même chose, on soulève les mêmes choses. Peut-être c'est ça, c'est pauvre hein, finalement, mais c'est triste. Hein. Je pense que si on va dans l'analyse, très loin, on va dans l'analyse, je pense que la conclusion, elle est pas belle. This is the moment. Yeah, it was my blood. This is the moment. Want vandaag neem jij een besluit. Wil alles geven, levenslang met je leven. Vandaag een nieuw begin, met jou en ooit een gezin. He was married 1 week ago in the other way to. We made a single, a song. And we taped it in a studio. Is nu klaar. Nou, u bent op dit moment live verbonden met het Big Diet Kasteel. En we hebben even een bordje vetvoeding neergezet om te laten zien hoeveel iedereen de afgelopen 3 maanden hier in het kasteel is afgevallen. Dat is 230 kilo, dat zien we hier even plastisch uitgebeeld. Ja. Dat betekent, en dat hebben we ook uitgerekend, dat iedereen per persoon gemiddeld 2 tot 3 kilo per week... dat ook die hoofdprijs niet misselijk is. Want degene die het meeste kilo's procentueel is afgevallen van zijn streefgewicht... die krijgt dat in goud uitgekeerd. En dat kan vanavond, hebben wij berekend, oplopen tot rond de 800.000 gulden. Voor Corinne is gebeld.
44%. Gerrit wint met 56%. 800.000 gulden. Je hebt het gehaald, jongen. Of course, it's nice to win money, but I think everyone here is a winner because he or she is losing a lot of weight. For example, I'm about 30 kilos. It's gone. So yeah, that's a big prize. It's the new idea after Big Brother. Maybe we can do it with fat people, and maybe other concepts are coming in the future with people who are too thin. So to get bigger, it's a great program because everybody likes the program. There are not a lot of people who are saying, what a bad program. I think in Greece they have also big people, so I think it's a very good concept for Greece. Η τηλεόραση είναι καθρέφτης της κοινωνίας μας. Σήμερα προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε γιατί οι τηλεθεατές παρακολουθούν τον Big Brother και τα αδέρφια του στις διάφορες εκπομπές τέτοιου είδους. Στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε πού βαδίζει η τηλεόραση και πού βαδίζουμε ως κοινωνία με τέτοιου είδους προγράμματα. Στο Καναδά και τη Ρωσία κάνουν στριπτής ενώ λένε τις ειδήσεις. Θα ασχοληθούμε με τις αντιδράσεις στη Γαλλία και τα μέτρα που πήρε εκεί το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο για την προστασία παικτών και τηλεθεατών. Θα συζητήσουμε αν οι εκπομπές αυτές είναι στημένες και πώς είναι στημένες. Στην Αγγλία, παραδείγματος χάρη, ανακαλύψαμε μια εταιρεία που βρίσκει ψώνια για τα reality show. Θα δούμε στη συνέχεια αν υπάρχει εναλλακτική λύση μιας καλύτερης τηλεόρασης. Στην Τουρκία έφτιαξαν ένα μεγάλο αδελφό που ασχολείται με τα προβλήματα των απλών ανθρώπων. Ο Big Brother των φτωχών. Την άλλη Πέμπτη στις 11 το βράδυ. Γεια σας.